J'avais un petit potager à côté de la maison et là, il y a 5 ans, j'ai créé un potager ici sur une prairie. C'est du terre fort ici, c'est l'argile. Hein. L'argile. Et donc, la première année, ça a à voir avec l'agroforesterie dans ce sens qu'on a beaucoup de bois de taille. Quand les feuilles sont mangées, on ramasse le bois et branches et on a un broyeur, on fait du BRF. Et donc, la première année, j'ai couvert ça ici de 5 cm de BRF, j'ai laissé l'hiver. Et ensuite, j'ai fait des petites terrasses. Et bon, c'est pas une terre de maraîchage, mais bon. Et donc, du fait de la proximité des arbres, de l'agroforesterie et des haies, ça fait un peu pépinière ici. Et donc, normalement, je les arrache. Mais quand ils sont juste sur les limites, je les laisse. Et ici, j'ai taillé un peu différemment. Je taille un peu en Que billard. queue de billard, quoi. Parce que je veux la frondaison assez haute. Et bon, l'inconvénient, c'est que je ne choisis pas. Là, il y a 3 érables qui ont poussé. Là, un noyer, il y a encore de l'érable, il y a quelques petits. D'accord. Mais donc. Et ça, pour information, ça fait à peu près ils ont quel âge à peu près ceux-là? 5 ans. 5 ans. Hein? Donc ils poussent beaucoup plus vite Ils que quand poussent c'est beaucoup, bon. poussent beaucoup plus vite que dans les C'est parce champs. que c'est semé ou c'est parce que tu travailles au sol? Mais je pense que je mets pas mal de compost du BRF, donc ils profitent de ça. Mais je ne les ai pas plantés, ils viennent tous, chaque année il y en a partout. Donc je les vire, sauf s'ils sont vraiment sur le bord de la petite parcelle, quoi. Et ils s'en rajoutent, et chaque année, je vois que cette année j'en ai repéré deux ou trois aussi, qui sont petits, Que qu'on. tu